ovation. Ovation. Avec des cris de joie. With shouts of joy. Tu dis à Jésus, j'ai écouté les témoignages. Tell Jesus, I have listened to the testimonies. Oh, Jésus, tu as travaillé. Dis, oh Jésus, tu peux le faire pour moi. Say, oh Jesus, you can also do it for me. Et tu veux le faire pour moi. And you want to do it for me. Assieds-toi, s'il te plaît. Get seated, please. Il y a beaucoup de témoignages concernant les visions et les songes. There are many testimonies concerning, related to visions and dreams. Quand on combat spirituellement, when you fight spiritually, Dieu utilise des gros moyens spirituels pour connecter son peuple à l'esprit de la foi. God, à l'esprit de foi. God uses very big spiritual means in order to connect his people to the spirit of faith. Il y a deux types de songes. There are two types of dreams. Il y a des songes qui sont ordinaires, vulgaires. There are dreams that are just ordinary. Qui n'ont aucune portée spirituelle. Which do not have any spiritual benefits. Il y a des songes qui sont prophétiques. There are dreams that are prophetic. Et qui ont une portée largement spirituelle. And that have a projection, a spiritual benefit. Et dans les combats spirituels, il faut tenir compte de ces songes. In the spiritual warfare, you must take into account those kind of dreams. Je vais donner quelques exemples. Disons Esaïe 29, verset 8. I'll give some examples. Let us read Isaiah 29, verse 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Amen. Quelqu'un qui a faim. Someone who is hungry. Qui se couche. And sleep. Et qui rêve qu'il a devant lui un poulet braisé. And who dreams that he has a roasted chicken before him. Il est heureux. He eats and he is happy. Et il se réveille. And he wakes up. Il n'y a rien à manger. There's nothing to eat. Et la faim a augmenté. And his hunger increased. Ça c'est un songe sans impact. This is a dream without impact. Créé par cette souffrance. Created by this suffering. Avoir faim sans nourriture. Being hungry without food. Ça peut provoquer beaucoup de songes. This can provoke a lot of dreams. Et ça se discerne toujours. And this can always be discerned. Lis Ecclésiaste 5, verset 2. Read Ecclesiastes 5, verse 2. Ecclésiaste 5, verset 2. Ecclesiastes 5, verse 2. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 2. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Amen. Il y a une certaine manière de travailler. There is a way to work. Sans discipline, sans repos. Without discipline and rest. Sans organisation. Without any organization. Après, quand tu vas te reposer. After when you go to rest. Tu entres dans un profond sommeil. You get into a very deep sleep. Quand on peut sonner des cloches, on sonne la trompette, tu n'entends rien, tu ne te réveilles pas. We can ring bells and blow the trumpets, you do not even wake up. Et tu n'auras pas seulement un seul son, tu auras une série de songes, tu finis celui-ci, l'autre commence, tu finis ce... Quand tu te réveilles, vraiment, tu es confus. And you not have only one dream, you have a series of dreams, and when you get up, you are in a confusion. Une multitude d'activités. A multitude of activities. Une multitude d'occupations.
a great number of occupations. Ça provoque une multitude de songes. It provokes a lot of dreams. Certains besoins, some needs, peuvent produire des songes. Can produce dreams. Quand tu n'es pas un homme de foi, when you are not a man of faith, quand tu ne sais pas te reposer, when you don't know how to rest within the hands of the Lord Jesus, quand tu es inquiet, when you are worried, la parole dit de ne pas s'inquiéter à cause de nos besoins. The word says that we should not be worried because of our needs. Lisez pour nous Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Read for us Philippians chapter 4, reading from verse 4 to 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a une manière de gérer les besoins. There is a way to manage the needs. Les besoins exercent sur l'esprit de l'homme une grande tyrannie. The needs can exercise a great tyranny on the spirit of man. Le Seigneur m'a même demandé de faire des besoins un chapitre de la délivrance. The Lord even told me to make of needs a chapter of deliverance. Et j'ai toute une doctrine. And I have all a doctrine. Pour faire face à nos besoins. I have a whole doctrine to face our needs. Et le Seigneur m'a montré que dans la parole de Dieu, il a des promesses sûres qui demandent de lui faire confiance pour répondre à nos besoins. The Lord showed me that in the word of God, there are some words that are very sure that requires us to trust him to face our needs. Quand tu es oppressé par tes besoins, when you are oppressed by your needs, il faut faire attention. You must pay attention. Il a dit, lequel d'entre vous qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? He said, whom among you can add some years to his life by his worries? Si tu es inquiet, ton cœur bat, tu as peur, ça va changer quoi? If you are worried, and your heart beats, what is it going to change? Il dit, ne vous inquiétez pas. He said, do not worry. Faites connaître vos besoins à Dieu. Make your needs known to God. Par des prières. Through prayers. Et des supplications. And supplications. Ceux qui prient. Those who pray. Qui supplient. And beseech. Sont déchargés. Their burden is taken, is removed. Ils ne sont plus hantés. They are no more haunted by fear. Et ils ne peuvent pas vivre une multitude de songes. They cannot go through a multitude of dreams. Prenons l'exemple d'une femme qui a besoin d'un enfant. Let us take the example of a woman who needs a child. Au lieu de demander et de laisser Dieu travailler, instead of asking and letting God work, il a peur, il tremble, elle a peur, elle tremble, elle a peur, elle tremble. She's afraid and tremble. Mes parents demandent, mes amis demandent. My parents ask for that. Mari, this my husband. Et elle fait de ça une affaire très personnelle. And she makes of this a very personal matter. Ça enlève son repos. It removes her rest. Ça détruit sa foi. And destroys her faith. Elle peut commencer à rêver chaque jour qu'elle a les jumeaux, qu'elle a un enfant. Elle a un petit garçon. Chaque jour, elle peut accoucher. Chaque jour, elle accouche. She can start dreaming every day that she has some twins, a little child. Every day, she can deliver. Ce type de songe n'a pas d'impact. This type of dream has no impact. Et on peut attendre cet enfant pendant des années, il ne vient pas. And we can expect that child for many years, but he doesn't come. Mais il y a les songes prophétiques. But there are prophetic
dreams. Que tu es en prière. That you are in prayer. Tu te couches. You lie down, you sleep, and you dream that you are pregnant, et puis ça s'accomplit. And it gets fulfilled. Donc, ça veut dire que quoi? What does it mean? Il faut pas banaliser les songes. You should not trivialize dreams. Il faut pas dire que, do not say, ah, this is nothing. Que les gens pensent aux choses et puis les choses arrivent. That people... That people think about things and it comes true, and they are dreaming and they start dreaming. C'est vrai. It's true. On pourrait dire la même chose des prophéties. We could have said the same thing about prophecies. On peut aussi dire la même chose même des exhortations. We can even say the same thing about exhortations. Quelqu'un peut décider de croire que ton message est là, c'est que tu penses aux choses et tu parles. And somebody can decide to believe that the message that you are giving, you just think about things and you speak. Et il peut croire que Dieu est en train de t'utiliser. And he can believe that God is using you to encourage him. What am I saying? Ce sont des choses spirituelles. These are spiritual matters. But you must discern. Mais la chose qui de, ce qui dépend de nous, but what depends on us, c'est de vivre dans le repos. Lis pour nous Isaïe chapitre 30 verset 15. Is to live in rest. Pour résoudre ce problème là. To solve this trouble. Il faut vivre dans un repos total. You must live in a total rest. Comme le Seigneur nous recommande dans Isaïe 30 verset 15 et 16. As it is recommended to us by the Lord in Isaiah. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Verset 16. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Amen. Le Seigneur recommande, the Lord recommends, que chacun de nous, that each one of us, soit calme, should be quiet, tranquille, should be confiant, should be confident, assuré, and short, et dans le repos, and at rest. Le calme, le repos, la confiance, la tranquillité, tranquility, calm, rest, and silence. Pour this gérer is tous tes besoins. This is the secret to manage all your needs. Tous les problèmes de la vie. All the troubles of life. Pas d'agitation. No restlessness. Le calme, la tranquillité, le repos et la confiance. Calm, tranquility, rest and confidence. Si tu sors de là, if you get out of there, ton esprit entre sous l'oppression. Your spirit gets under oppression. Tu perds le repos. And you lose rest. Tu perds la paix. You lose peace. Mais l'apôtre dit dans Philippiens que the apostle said in Philippians that si tu pries bien, if you pray well, la paix de Dieu, the peace of God va garder nos pensées. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. He said the peace of God that is beyond any understanding va garder nos pensées. Will keep Dieu. Our thoughts in Jesus. Il va garder nos cœurs, il va garder nos pensées en Jésus. It will keep our hearts and our thoughts in Jesus. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous Joël chapitre 2. Read for us Joel chapter 2. 28 et 29. 28 and 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Les visions, visions et les songes and dreams sont une promesse à l'église. Are promises to the church. Une église normale. A normal church. Ne doit pas. En fait, une église ne devrait pas commencer la prière le soir, finir le matin, sans vision claire. In fact, a church should not start prayer in the morning and end in the afternoon without any clear vision. Un croyant devrait avoir au moins
une expérience d'une vision claire qui s'est accomplie. A believer must have at least an experience of a clear vision that has been fulfilled. Un songe prophétique. A prophetic dream. Tu ne peux pas entrer dans un jeûne. You cannot get into a fasting. Tu sors comme si tu étais dans les nuages. You get out as if you were obscurité parce qu'il y a des nuages qui sont clairs. As if you were dans in sombre nuage. In dark clouds. Que Dieu a dit. God said que nous aurons des visions. That we will have visions and dreams. If there is no vision and dreams, you will fight like a blind. You will give blows, but anyhow, these are not things that are seldom. We don't buy. You have a project. You pray and pray. You are always in darkness. Always in darkness. But our God didn't promise that. He will give you a vision. He can give you a dream. That explains the situation to you. Even the unbelievers. Nebuchadnezzar was an unbeliever. One day, he slept. And he started thinking. Who is going to reign after me? What's going to happen? What is the world going to be? God gave me a vision. That explains all that is happening. Une vision qui lui montrait l'avènement dans le monde de quatre empires. A vision that showed him the coming in the world of four empires. Et que Jésus allait venir pendant le règne, ou alors pendant le quatrième empire disloqué. And that Jesus would come during the reign of the fourth empires that have been collapsed. Un païen. An unbeliever. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Une seule vision peut changer tes combats spirituels. Only one vision can change your spiritual warfare. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, n'ayez pas peur des sons de vision. Nous avons le discernement. Si quelqu'un a des cauchemars, on sait que ça c'est un cauchemar. So, do not be afraid of visions and dreams. If someone has some nightmares, we can discern and know that this is a nightmare. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Parce que les messages de Dieu, because the messages of God, quand tu les écoutes, when you listen to them, prophétise l'espérance. Prophesy hope. Dieu n'est pas un incrédule. God is not an unbeliever. Quand il te parle, when he speaks to you, tu sens l'ouverture. You see the opening. Les messages de Dieu n'obscurcissent pas l'avenir de quelqu'un. The messages of God do not darken the future of someone. Et une sœur a rendu témoignage ici. A sister testified here. Dieu m'avait amené à prophétiser que l'année qui vient est une année de gloire. God brought me to prophesy that the year that is coming is a year of glory. Mais elle a mal compris. She didn't understand it well. Elle a pensé que c'est l'entrée dans la gloire qu'elle va mourir. D'abord, la preuve est qu'elle n'est pas morte. Mais elle a laissé son esprit sous l'oppression d'une fausse interprétation d'un message qui devait l'élever. But she didn't understand it well, and she let her spirit get under the oppression of an interpretation that was not true, instead of understanding that the message will lift her up. Parce que la parole dit. Because the word says. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Even the past time, the land of Zabulon and Naphtali was covered with shame. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. And the times come will cover with glory the sea. Beyond the territory of the Gentiles. C'est ce que le Saint-Esprit avait prophétisé pour elle. That's what the Holy Spirit prophesied for her. Heureusement qu'elle n'est pas morte.
And fortunately, she didn't die. C'est maintenant qu'elle va. Si elle croit même maintenant, Dieu va pardonner et Dieu va l'élever. And if she believes je now, je n'ai pas dit va l'enlever. J'ai dit là va l'élever parce que elle peut encore comprendre. If she believes now, God will forgive and lift her up. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si Dieu vient, if God comes, il dit tu vas mourir. And he says you are going to die. Cette prophétie ne ressemble pas à Dieu. This prophecy does not is not like that of God. Dieu ne peut pas te dire seulement tu vas mourir point. God cannot just tell you you are going to die. Il peut te dire arrange ta maison parce que tu vas mourir. Là c'est posé. Ça veut dire qu'il veut que tu partes étant propre. God can tell you set order in your house because is you are going to die and it's in. Mais il ne peut pas faire une déclaration tu vas mourir. God cannot, ça c'est les démons qui font ça. God cannot come and make a declaration you are going to die. This is done by demons. Une sœur, a sister, m'a dit quelqu'un l'a rencontré. Told me someone met her. Et dit tu as besoin de grands combats. And said you need great warfare. Et il lui a donné carte de visite. And she gave her business card. Je lui ai dit c'est faux. Il veut que tu l'appelles pour faire ces combats là pour toi et ça deviendra une affaire de l'argent. So he gave her a business card. I said, no, this is not true. He wants you to call him so that it will become a matter of money. Une autre sœur est partie quelque part. On dit, tu es lié par transition. Another sister went somewhere. She was told that she was bound by 36 chains. C'est faux. Quelle transition? Bientôt, tu vas entendre qu'il faut un an pour briser une chaîne. Ça fait quoi? Ça veut dire que tu dois vivre là-bas toute ta vie. And, un an. Une chaîne. Deuxième année, on brise d'autres chaînes. Quand même quand ça va déjà finir, on va dire que tu as péché, donc il y a trois chaînes qui se sont ajoutées. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu, God, crée, creates, et il guide, and he guides, et sauve, and saves. Dans ses messages, in his messages, tu sens son caractère. You feel his character. Tu sens, quand Dieu te parle, tu sens la rédemption même. When God speaks to you, you feel redemption. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et je vais vous dire une chose. I want to tell you one thing. Certaines personnes pensent que pour que l'Église soit sanctifiée, il faut l'effrayer. Il faut dire que si tu pèches, Dieu va te tuer. Tout ça, ça ne change pas les cœurs. Some people think that for the church to be sanctified, you must frighten it. That is, tell people if you want, you have to sanctify yourself, or you die. This does not change hearts. Quand Dieu dit à Israël que je t'aime d'un amour éternel, when God tells Israel that I love you with an everlasting love, si Jésus vient ici, si dit à une sœur je t'aime, la sœur là va l'adorer jusqu'à, c'est-à-dire elle va tomber adorer jusqu'à partir au ciel même. If Jesus comes here right now and tell a sister I love you, that sister will fall down and worship Jesus until she gets into heaven. Les vrais messages, the true messages, transforment les cœurs, transforms hearts. Parfois, sometimes, tu peux dire à quelqu'un, you can tell someone, Dieu m'a dit qu'il t'a pardonné. God told me that he has forgiven you. Et la personne décide de changer en même temps. And the person decides to change on the spot. Pas que tu manques, que c'est le seul message que tu as pour la personne. Not that you are lying, but it's the same, the only message you have for that person. Ça peut être quelqu'un qui attend qu'on vienne avec une massue, on casse sa tête parce que pour cette personne là, ses péchés sont très grands devant Dieu. It can be like someone who waits, expects that we bring come with a block and break his head because he sins a lot. Lis pour nous, juge. Read for us, Judges. 5, verset 13. 5, verse 13. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Alléluia. Praise the Lord. Lis Job 33. Read Job 33, verset 14, verse 14 et 18, 14 à 18. From 14 to 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Etc. 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 Dieu parle par les songes. God speaks through dreams. Mon exhortation a pour but. My exhortation aims at. De permettre à chacun. At allowing each one. De bien interpréter les choses spirituelles. To have a very good interpretation of spiritual Parce things. L'ignorance n'est pas bien. Because ignorance is not good. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons prier ce soir. We are going to pray this evening. La foi est déterminante dans le combat spirituel. Faith is determinant in the spiritual warfare. Cette rencontre, this meeting, peut se gâter, can be spoiled, tout simplement parce qu'il manque la foi. Simply because we lack faith. Parce qu'il est écrit, because it is written, sans la foi, without faith, il est impossible d'être agréable à Dieu. It is impossible to be pleasant to God. Et pendant que je préparais cette rencontre, while I was preparing this meeting, le Seigneur m'a révélé que the Lord revealed to me that tu ne dois pas chercher la foi. You must not seek faith. Si tu cherches la foi, tu ne vas pas la trouver. If you seek faith, you will not find it. Il est dit, it is written, la foi, il y a deux vérités fondamentales. There are two basic truths. La foi vient de sa parole. The faith stems from his word. Parce que si tu comprends autrement, tu vas croire que tu n'as pas la foi. If you understand it otherwise, you will see that you don't have faith. Les démons vont te tromper. And demon will deceive you. Que toi tu n'as pas la foi. That you don't have faith. L'autre vérité, the other truth, qui est dans Hébreux 12 verset 1 à 4, il suscite la foi. He creates faith et l'amène à la perfection. And bring it to perfection. C'est lui-même qui crée la foi. He himself creates faith et qui l'encadre pour qu'elle grandisse en nous. And take care of it until it grows in us. Et il m'a fait comprendre que he made me understand that pour développer cette foi qu'il crée en nous, to develop that faith that he creates in us, il y a des moments où il utilise la parole. There are times when he uses the word. Parce que la foi vient de sa parole. Because faith stems from his word. Il y a word. Des moments où il utilise ses apparitions. Sometimes he uses his appearances. C'est-à-dire Jésus peut se présenter à toi. That is, Jesus can present himself to you. Après tu vois comment il monte, il s'en va. And after you can see how he is lifted up and go. Pour que quelqu'un te trompe que Jésus n'existe pas, ça sera impossible. For someone to deceive you that Jesus doesn't exist is impossible. C'est pour cette raison que pour certaines guérisons, il vient lui-même faire pour que tu ne passes pas le temps à dire que peut-être ça va revenir, peut-être ça va revenir. That's why for some healing, he himself comes and do the operation so that you not spend time saying it will come back, it will come back. Quand tu vois un médecin qui descend en vision, tu vois un médecin qui descend du ciel, qui t'opère if et la maladie disparaît, tu ne pourras plus douter. When in a vision you see a doctor coming from above and come to operate you and remove the sickness, you will no more doubt. Il peut bénir, il peut développer ta foi par la révélation. He can develop your faith through revelation. Par sa présence effective. By his real presence. Il peut te rassurer qu'il est avec toi. He can ensure you that he is with you. Il a dit, he said, vous connaîtrez que je suis en mon Père. You shall know that I am in my Father. Que je suis en vous. And that I am in you. Que vous êtes en moi. And that you are in me. Vous connaîtrez. You shall know. Ça, c'est une promesse sûre. That is a sure promise. Qui
doit détruire les incrédulités. That must destroy unfaithfulness. Il y a une révélation de la présence de Dieu qui a pour but de nourrir la foi que Jésus lui-même a créée en toi. There is a revelation of the presence of God which aims at feeding the faith that Jesus himself created in you. C'est lui qui suscite la foi. He's the one that raises faith. Et qui l'amène à la perfection. And bring it to perfection. Si Jésus te donne un travail. If Jesus gives you a work. Si tu vérifies. If you check it well. Il va te donner la foi pour croire que tu vas finir cette. He will give you the faith to believe that you will complete that work. Ce que vous êtes en train de faire sous les bâches là, c'est la foi qui se manifeste. What you are doing under the tents is the faith that is getting manifested. Vous êtes en train de dire que nous serons un jour dans une salle de 25 000 places. You are saying that one day we will be in a hall of 25,000 places. Quand il pleut sur toi, tu ne murmures pas, c'est la foi parce que tu sais ce qui est vrai. When it rains on you, you don't murmur because you know what is true. Tu sais que ça c'est passager. You know that this is passing. Et puis tu dis, et les gouttes de pluie là même ne sont même pas violentes. And you can say that even the drops of rain are not violent. Quand tu sors pour danser sous la pluie. When you get out to dance under the rain. Tu es en train de dire que en tout cas nous avons notre salle de 25 000 places. You are saying that anyway we have our hall of 25,000 places. La foi. Faith. Et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Is the work of Jesus of Nazareth. Quand tu pries, when you pray, ne tremble pas. Do not shake. Et si Dieu te donne quelque chose, if God gives you something, ne passe pas le temps à vérifier si c'est toujours là. Do not spend the time checking if it is always there. C'est là. It is there. C'est lui qui crée la foi. He's the one that creates faith. Et l'amène à la perfection. And bring it to perfection. N'oublie jamais ce verset-là. Do not forget this verse. No deux versets. Two verses. La foi faith vient de ce qu'on entend. Stems from what we hear. Ce qu'on entend. And what we hear. La parole de Dieu. Comes from the word of God. La Bible dit. The Bible says. Jésus a porté vos maladies. Jesus bore your Donc cette maladie-là est partie déjà. So this sickness is already gone. C'est fini. It's finished. Et tu commences donc à, et Dieu te dit proclame ça. And God tells you proclaim it. Il dit nous avons le même esprit de foi. He said we have the same spirit of faith. Qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. That is expressed in this word of the scriptures. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. I believe that, that's why I spoke. Nous aussi. We too. Nous croyons. We believe. C'est pourquoi nous parlons. That's why we speak. Quand tu crois. When you believe, tu dis. You say it. Tu es guéri. You are healed. Tu dis je suis guéri. You say I'm healed. Jésus m'a guéri. Jesus has healed me. Toutes ces petites courbatures, Jésus les a portées sur la croix. Jesus carried them on the cross. Quand tu, si on te dit prie pour ta guérison. Pray for your healing. Si tu n'as rien à dire. If you have nothing to say. Ne perds pas le temps. Do not waste time. Jésus. Say Jesus. Il est écrit. It is written. Tu as porté cette maladie. Jesus carried this sickness. Maladie. It is written. Jesus carried this sickness. Jesus carried this sickness. Ailleurs. Elsewhere, quelqu'un pourra dire une fois et puis il est guéri. Someone can say it one, only one time and he's healed. Mais chez un autre, but for another one, il dit 10 fois il est guéri. He can say it 10 times and be healed. Chez un autre encore, for another one, il dit 1000 fois il est guéri. He said 1000 times and he's healed. La loi devient donc prier sans cesse avec ferveur. The law vous décourage. The law therefore becomes pray. Without ceasing and fervently without being discouraged. Il dit de courir avec persévérance. He said we must run with perseverance. Vers la carrière qui nous est ouverte. Toward the career that is open. Ayant les regards sur Jésus. Having our eyes, our gaze fixed on Jesus. Le chef et le consommateur de la foi. The chief and the consumer of faith. Qui en vue de la joie qui lui était réservée. A souffert la croix, méprisé l'ignominie. And who, in view of the joy that was reserved for him, despised et shame. Il a supporté une grande opposition de la part des pécheurs. And he supported a great opposition from the sinners. La parole dit de considérer ce Jésus-là, afin que nous ne soyons pas découragés. The word said that we must consider that Jesus. For us not to be discouraged. Donc tiens-toi debout. So stand on your feet. Restore-toi dans la foi. Restore yourself in faith.
Après ça, and after that, tu vas demander quelque chose à Dieu. You will ask something to God. Tu verras ce qui va se passer. And you see what's going to happen. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que on ne tâtonne pas pour avoir la foi. That we don't grope about to have faith. Dis, la foi n'est pas quelque chose qui est caché dans le ciel. Say, faith is not something that is hidden in heaven. Pour qu'on puisse dire, oh, oh, qui va monter pour nous chercher. For us to say, oh, oh, who is going to go up and find it for us. Dis, la foi n'est pas quelque chose qui est perdu dans les abîmes. Say, faith is not something which is lost in the abyss. Dans les profondeurs des abîmes. In the deep of the abyss. Qu'on puisse dire, oh, qui descendra pour nous. So that we say, who is go down for us. Pour aller la chercher. To go and seek it. Dis, je proclame. I proclaim. Que c'est Jésus de Nazareth. That it is Jesus of Nazareth. Qui crée la foi en moi. That creates faith in me. Et qui l'amène à la perfection. And bring it to perfection. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que la foi qui m'habite. That the faith that dwells in me. Est l'œuvre de Jésus lui-même. Is the work of Jesus himself. L'œuvre de Jésus même. The work of Jesus himself. La foi qui m'habite. The faith that is in me. Est l'œuvre de Jésus lui-même. Is the work of Jesus himself. Oh, je proclame. Oh, I proclaim. Que la foi. The faith. Vient de sa parole. Comes from his word. Et c'est lui-même. And it is himself. Qui l'amène à la perfection. To bring it to perfection. C'est lui. It is he. Qui me donne toute la foi nécessaire. Who gives me all the necessary faith. Pour que je voie ce miracle que je recherche. For me to see this miracle that I'm seeking. Il y aura ce miracle dans ma vie. This miracle will be fulfilled in my life. Il y aura ce miracle dans la vie de mes frères. This miracle will be. Il y aura cette délivrance. There will be this deliverance. Il y aura cette guérison. There will be this healing. Jésus-Christ crée la foi. Jesus Christ creates faith. Et l'amène à la perfection. And brings it to perfection. Et l'amène à la perfection. And brings it to perfection. Je n'ai rien à craindre. I have nothing to fear. Quand je suis face à mes besoins. When I face my needs. Mes besoins. My needs. Qui sont les véritables énigmes. Which are the enigmas. Je proclame. I proclaim. Que Jésus-Christ est là. That Jesus is there. Que Jésus-Christ est là. Jesus is there. Jésus-Christ est là. Jesus is there. Maintenant, concentre-toi sur tes vrais besoins. Now, be focused. Be concentrated on your tu as la true foi, tu as la foi. Needs. You have faith. C'est Jésus qui a créé la foi. It is Jesus who created faith. Jésus, quand il crée, c'est pur, c'est propre. When Jesus creates, it is clean, it is pure. Il l'amène certainement à la perfection. And it truly brings to perfection. Mais il a déjà créé. And he has already created it. Il a déjà créé. He has created it already. Tu as déjà ce qu'il faut. You already have what he needs. Pour être agréable à Dieu. To be pleasant to God. Sans la foi. Without faith. Il est impossible. It is impossible. De lui être agréable. To be pleasant to God. Demande avec calme. Ask with quietness. Avec le repos de l'esprit. With the rest of the spirit. Avec l'assurance intérieure. With the inner assurance. Oublie le passé. Forget about the past. Ne dis pas j'ai déjà prié pour ça plusieurs fois. Do not say I have already prayed for this a lot of times. Oublie le tâtonnement. Forget about the groping about. Entre dans la gloire. Get into the glory. Entre dans la gloire. Get into the glory. Entre dans le repos. Get into rest. Et dit elle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. And gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. And he said the peace of God that is beyond any understanding. Will keep your hearts and your thoughts in Jesus. Prions ensemble. Let us pray together. Si tu as des secrets, if you have some secrets dans ta prière, in your prayer, tu te détaches. You remove. Un homme n'a pas droit d'écouter ce que tu dis. You get aside. No one has the right to listen to what you are saying. Si tu as par exemple le VIH/SIDA, for example, if you have HIV. Tu veux la if you are HIV positive and you want deliverance, et tu ne veux pas que ton voisin sache, and you don't want your neighbor to know it, tu t'écartes. You withdraw. Le Seigneur nous accorde. The Lord is granting us cette possibilité là. This possibility. Ça fait partie de l'amour. It's part of love. Demande avec foi. Et quand Dieu agit, ça c'est un sujet central. Ask with faith and God works. When God works, this is a core topic.
Ça veut dire que s'il rencontre les épines, il va les écraser. It means that if he meets thorns, he will crush them. S'il rencontre les ronces, il va les écraser. If he meets thorns, he will crush them. S'il y a un démon sur le chemin, il sera foudroyé. If there is a demon on the way, he will be beaten. Si c'est Satan lui-même, il sera foudroyé. If it is Satan himself, he'll be thundered. Ne sois pas confus. Do not be confused. Vise tes vrais problèmes. You must aim at your true troubles. Tu peux t'asseoir. You can get seated. Tu continues, mais que personne ne pense pas aux pas de vagabondage d'esprit. Continue to pray. Do not let no one think of any other thing. Prie vraiment. If truly, jusqu'à ce que Dieu établisse ton cœur dans la paix totale. Pray until God establishes your heart in total peace. Ne priez pas dans le cœur. Je vois les gens les bouches fermées, ils regardent. Do not pray in your heart. C'est la parole qui crie. Je vous ai dit qu'on travaille avec la parole. I told you that we work with the word. Je crois. I believe. Et je parle. And I speak. Pas que je crois, je reste là comme une statue. Not that I believe and I remain there as a statue. Nous croyons. We believe. C'est pourquoi nous parlons. That's why we speak. C'est pour cette raison que j'ai dit, si tu ne veux pas que les gens entendent, tu peux te lever. That's why I told you that. If you don't want some people, tout cet espace là. If you don't want other people to hear, you stand up and you can move. Tout cet espace. All this space. Est pour le combat spirituel. Is for the spiritual warfare. Tiens-toi debout. Stand on your feet. Dis, oh Père. Oh Father. Exauce-nous. Oh Père, exauce-nous. Oh Father, grant us. Oh Père, exauce-nous. Oh Father, grant us. Oh Rikabakashar. Prions à langue. Let us pray in tongue. Oh Rabakashar, 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 Rabakashar. Attendez d'abord. Wait. Qui n'a pas encore reçu son parler en langue depuis qu'il a Who has not received the speaking in tongues since he believed? Raise your hand. Tu as cru, tu ne pries pas en langue. You have believed and you don't pray in tongues. Quand j'ai dit prions en langue, when I say let us pray in tongues, tu parlais quelle langue? Tu faisais quoi? What tongue were you speaking? Qui va expliquer? Who will explain? Quand j'ai dit prions en langue, tu priais dans quelle langue? Ramatatos. Tu es déjà baptisé, tu cherches pas encore. Pardon, continue à parler. Ramatatos. Tu pries en langue. So, go there, speak in tongue. Bah, lui, il a reçu déjà sa part. He has Pourquoi already received his portion. Lève tes mains. Raise your hand. Dis donc, oh Père. Oh, donne-moi le parler en langue. Give me the speaking tongue. Donne-moi le parler en langue. Give me the speaking in tongue. Continue à parler, prie en langue. Continue to pray. Prie seulement en langue. Just pray in tongues. Il est écrit. It is written. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. May, that the Lord fills it. Toi, tu ouvres la bouche.
You open your mouth, et le Seigneur la remplit, and the Lord fills it avec des nouvelles langues. With new tongues. Tu ouvres ta bouche, you open your mouth, tu commences à prier, you start praying, le Seigneur te remplit de nouvelles langues. The Lord fills it with new tongues. Tu reçois la langue par la foi, you receive tongue by faith, et tu ouvres la bouche par la foi, open your mouth by faith, tu commences à parler en langue par and la you foi. Start speaking in tongue by faith. C'est l'un des premiers miracles. This is one of the first miracles. De l'exhortation que nous venons d'entendre. And the encouragement we just heard. C'est là. It is there. Jésus l'a fait à la croix. Jesus did it on the cross. Tu as déjà reçu les langues. You have already received the tongues. Parle. Speak. Exprime-toi. And express yourself. Crie à Dieu. Shout out to God. Ora bakashara bakashoro bakashara bakashoro bakashoro. Ora bakadaga baka. Ora kabaka joro baka. Oh la kabaka joro baka. Ora kabaka joro baka. Ora kabaka joro baka. Dis oh Père, oh Father, oh Père, oh Father, exauce, grant us, écoute nos cris, let's prie en langue, pray in tongues, kuna bakashara baka, ura bakashoro baka, joro bakashara baka, ura bakashoro baka, oh bakashara baka, Eli kamarada. Attendez. Wait. Et tout le monde n'est pas encore en Jésus. Everybody is not in Jesus yet. Asseyez-vous. On va continuer à prier, mais il faut que ceux qui doivent donner la vie à Jésus viennent d'abord. So get seated. We continue to pray, but those who have not given their life to qui Jesus, qui n'a pas encore donné la vie à Jésus, who has not given his life to et Jesus, qui veut le faire maintenant, lève la main. And wants to do it now, raise your hand. Viens. Come. Viens. Come. Qui d'autre? Who else? Venez. Come. Venez. Come. Allez là où j'étais là-bas, entrez en bas. Go there and get seated. Qui veut donner sa vie à Jésus? Who would like to give his life to Jesus? C'est le bébé de qui là? Whose baby is this? Mais allez lui donner son bébé. Go and give her a baby. Où est la maman de cet enfant? Mais allez remettre l'enfant à sa. Go and give her a baby. L'enfant doit aller au ciel aussi. Qui d'autre veut donner sa vie à Jésus? Who else would like to give her life to Jesus? Lève la main. Raise your hand. Rapidement. Speedily. Parce que s'il y a des gens qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, c'est pas bien. Because if there are some people who have not given their life to Jesus yet, it's not good. Lève-toi et viens. Rise up and come. Dis Satan, tu es vaincu. Say Satan, you are overcome. Dis Satan, tu es vaincu. Say Satan, you are overcome. Dis, nous proclamons so we proclaim que le diable est vaincu, le diable est vaincu. The devil is overcome. Acclamez. Clap. C'est une vraie bataille. This is a big warfare. Acclame. Clap. Dis Satan. Say Satan. Tu es vaincu. You're overcome. Lève ta main droite. Raise your right hand. Et nous réclamons toutes les âmes pour Jésus. Say, we claim all. Toutes les âmes pour Jésus. The souls for Jesus. Toutes les âmes pour Jésus. All the souls for Jesus. Nous brisons les chaînes. We break the chains. Les chaînes de la religion. The chains of religion. Les chaînes du péché. The chains of sin. Nous les brisons. We break them. Lève-toi et viens. Rise up and come. Oui, lève-toi. Wait. Yes. Si tu es un rétrograde. If you are a backslider, qui veut revenir? Who would like to come back? Lève la main. Raise your hand. Un rétrograde. A backslider. Qui veut revenir? Who would like to come back? Viens. Come. Va directement là-bas. Go there, straight.
La parole de Dieu dit, the word of God says, mon ennemi, my enemy, ne te réjouis pas à mon sujet. Do not rejoice about me. Ne te réjouis pas à mon sujet. Do not rejoice about si me. Je suis tombé, if I have fallen, je vais me relever. I will rise up. Si je suis assis dans les ténèbres, if I'm sitting in darkness, l'Éternel va m'éclairer. The Lord will enlighten me. Un enfant de Dieu, a child of God, ne doit pas laisser les démons danser. Should not let the demon dance. Parce qu'il est tombé. Because he has fallen. Dis aux démons, si c'est à cause de moi que vous organisez la fête, tell demons, if it is because of me you are organizing a party, je rentre chez mon père. I'm going back to my father. Acclamation. Obéissance. Lève-toi et viens. Rise up and come. Quelles que soient les raisons pour lesquelles tu as rétrogradé, whatever the reason for which you have backslid, lève-toi seulement, tu rise up and come. Si tu es dans une autre communauté, if you are in another community, et le Saint-Esprit, je dis bien là, je parle bien avec précision. Et le Saint-Esprit te dit, here I speak with precision, and the Holy Spirit tells you, il faut aller à la CMCI. Go to CMFI. Parce que Dieu a dit, because God said, je vous donnerai des bergers, I will give you shepherds, qui vous paîtront avec sagesse et avec intelligence, who will feed you with wisdom and intelligence. Un jour, one day, pendant que Cornelius se débrouillait, while Cornelius was trying en jeûnant, en priant, by fasting and praying, et en donnant beaucoup de monde, and giving many alms, Dieu a envoyé un ange. God brought an angel. L'ange lui a dit, and he said, Dieu m'envoie. God is sending me te dire, to tell you, de faire venir l'apôtre Pierre, il va te parler, to send for Apostle Peter and to speak to you, et tu seras sauvé, and you'll be saved. Il y a des moments, Dieu ne donne pas les religions, il donne les hommes. Et il va chercher Simon Pierre. God does not give religions, he gives men. He says, go and seek Simon Peter. Qui entend cette voix? Who hears that voice? Personne, on ne dit pas même pas deux fois parce qu'ils sont, elles attendent. For such people who don't speak twice because they are there expecting. Oui, acclamation. Yes, ovation. Dieu te dit, God tells you, va à la CMC. Go to CMFI. Lève la main. Raise your hand. Est-ce que tu as compris? Have you understood? Tu es dans une autre église. You are in another church. Mais Dieu te dit dans ton cœur de venir à la CMCI. But God speaks to you in your heart and tell you, come to CMFI. Si c'est toi, lève la main. If you are the one, raise your hand. Oui, vas-y, vas-y. Yes, go, go. Qui d'autre? Who else? Bon, maintenant. Okay, now. Levez les mains, on va prier et puis on va continuer le combat. Raise your hand, we're going to pray and continue the warfare. Cours, 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 cours. Vas-y. Yes, run, run, run. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Pardonne-moi tous mes péchés. Forgive me all my sins. Tout ce qui me sépare de toi. All that separate me from you. Purifie mon âme. Purify my soul. Écris mon nom dans ton livre. Write my name in your book. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Seigneur. Lord. Donne-moi un nouveau cœur. Give me a new heart. Seigneur. Lord. Mets ton esprit en moi. Put your spirit in me. Je vais te servir. I will serve you. Tous les jours de ma vie. Every day of my life. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Maintenant, la foi que tu as. Now, the faith that you have. Tu as posé ton problème à Dieu. You lay your problem down to God. Crois que tu l'as reçu. Believe that you have received it. Maintenant, tu vas lever ta main droite. Now you are going to raise your right hand.
Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je lève la main. I raise my hand. Contre toute montagne placée devant moi. Against any mountain set before me. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je lève la main. I raise my hand. Contre toute montagne. And against any mountain. Placée sur mon chemin. That stand on my way. J'ordonne. I command. Qu'elle sorte de là. That it gets away from there. Et je la précipite dans le désert. And I precipitate it in the wilderness. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je fraye le chemin devant moi. I pave the way before me. J'ordonne à toute montagne. I command all mountains. De se déplacer. To be displaced. Et de tomber dans le désert. And to fall into the wilderness. Je proclame. I proclaim. Que je veux marcher. That I want to walk. Dans la victoire. In a victory. De victoire en victoire. From victory to victory. De progrès en progrès. From progress to progress. Je prophétise. I prophesy. Une marche victorieuse. A victorious walk. De victoire en victoire. From victory to victory. De victoire en victoire. From victory to victory. De progrès en progrès. From progress to progress. Progrès en progrès. From progress to progress. Progrès en progrès. From progress to progress. Dans ma marche avec Dieu. In my walk with God. Une marche qui satisfait le cœur de Dieu. A walk that sanctifies the heart of God. Prophétise une marche victorieuse avec Dieu. Prophesy a victorious walk with God. Dans toute la vie. All the life. Toutes les routines, tout ce que tu dois all faire. The routines, all that pour que Dieu soit satisfait. For God to be satisfied. Dans le gagnement des âmes. In a winning of dans soul. Les dons à Dieu. In a gift to God. Dans la consécration. In a consecration. Dans la victoire sur le péché. In a victory over sin. De victoire en victoire, de victoire en victoire. Victory and victory and victory. La montagne est déjà tombée. The mountain is la montagne est tombée. The mountain has la montagne s'est déplacée. The mountain has been prophétise ta croissance. Prophesy your prophétise growth. Ta croissance. Prophesy your prophétise ta croissance. Prophesy your growth. Prophétise ta croissance. Prophesy your growth. Prophétise le succès. Prophesy success. Dans ton ministère. In your ministry. Prophétise le succès. Prophesy success. Dans ta vie de prière. In your prayer life. Prophétise le succès. Prophesy success. Dans ta vie de jeune. In your prayer. Prophétise le succès. Prophesy success. Dans ta vie de sainteté. In your life of holiness. Prophétise le succès. Prophesy success. Dans ta vie de don à Dieu. In your life of prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise. Lis pour nous 1 Samuel chapitre 15 verset 1 et 2. Read for us 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 2. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Amen. Il y a plusieurs types de montagnes. There are many types of mountains. Certaines montagnes sont les individus, les hommes. Some mountains are individuals, that is men. Ça peut être ta femme. It can be your wife. Ça peut être ton époux. It can be your spouse, ça I mean your husband. Ça peut être le chef husband. De famille. It can be the family ça peut être chief. Ton père. It can be your father. Ça peut être ton patron. It can be your boss. Ça peut être tes collègues. It can be your colleagues. Il y a des individus. There are individuals qui peuvent décider que tu ne vas pas servir Dieu. Who can decide that you will not serve God. Que tu ne vas rien devenir. That you will become nothing. Quand tu fais des progrès, ils sont jaloux. When you make progress, they are jealous. Amalek a barré la voie aux enfants d'Israël. Amalek barred the way to the children of Israel. Et Dieu a dit à Samuel, dis à Saül de les détruire. And God told Samuel, tell Saul to destroy them. De ne rien laisser. You should not leave anything. Donc tu vas lever ta main. You are going to raise your hand. Tu cries à Dieu. Cry out to God. Que tous les Amalek. That all the Amaleks. Ceux qui sont tes Amalécites, those who are your Amalekites, dégage. Get away. Ne demande pas leur mort. Do not ask them, ask their death. Dis à Dieu, fais de telle sorte que ils contemplent ta gloire dans ma vie. Tell God, work in such a way that they behold your glory in my life. Ceux qui ne voulaient même pas que je me marie, qu'ils viennent à la réception manger le gâteau. Those who don't want me to get married. Let them come to the reception and eat the cake.
qu'ils viennent boire. Let them come le bisap, and see. Le nyamakudi. Drink the bisap and the nyamakudi. The, dans ce mariage qu'ils ont combattu. In this wedding that they fought. C'est ça qui glorifie Dieu. That's what glorifies God. Dieu, oh Père. Oh Father. Que tous les Amalécites. Let all the Amalekites. Que ceux qui sont mes Amalécites. That those who are my Amalekites. Soient écartés de mon chemin. Be removed from my way. Dis Père. Say Father. Ne les tue pas. Do not kill them. Permets qu'ils voient ta gloire. Allow them to see your glory. Qu'ils croient. That they believe. Qu'ils confessent que tu es puissant. And confess that you are mighty. Continue à prier avec moi. Continue to pray. Tous les Amalécites. Soient dégagés du chemin. Be removed from your way. Et qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. And that they can become, let them become. Oh, qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. Oh, let them become. Oh, qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. Oh, qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. Oh, let them become witness of the glory. Qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. Qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. Oh, qu'ils soient témoins de la gloire de Dieu. Qu'ils ouvrent les yeux. Que les yeux voient ce qu'ils ne voulaient pas voir. What, see what they want, don't want to see. Dis oh Père. Say oh Father. Dis oh Père. Say oh Father. Que leurs yeux. Let their eyes. Voient ce qu'ils ne voulaient pas voir. See what they didn't want que to see. Que les oreilles. Let their ears. Entendent. Hear. Ce qu'ils ne voulaient pas entendre. What they didn't want to hear. Ora kabaka jor baka konsi apre kara kabaka jor baka koba jer baka. Ora kabaka jor baka koba jer baka koba jer baka. Left hand droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Leurs œuvres en parole. Their works in words. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Leurs œuvres par les actes. Their works through action. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Leurs œuvres. Their works. Leurs œuvres dans la pensée. In their thought. Dans leur imagination. In their imagination. Nous détruisons en pensée, en parole, en acte. In thought, nous détruisons leurs œuvres en parole, en pensée, en acte. We destroy their work in word, in thought and in action. En parole, en pensée, en acte. In word, in action. Nous écrasons tout. We crush everything. Nous écrasons tout. We crush everything. Nous ruinons les espoirs. We ruin their hope. Nous ruinons les espoirs. We ruin their hope. Et nous proclamons la victoire. And we proclaim victory. La victoire de chaque saint, la victoire de chaque saint. The victory of each holy one. La victoire de chaque saint. The victory of each holy one. La victoire, la victoire. The victory, victory. La bénédiction, la bénédiction. Blessing, blessing. La bénédiction, la bénédiction. Blessing, blessing. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Prions en langue. Kalabando kabakajor bakagara bakajor bakagara bakajor bak. Veuillez vous asseoir. Get seated, please. Beaucoup de démons sont déjà partis. Many demons have already gone. Peut-être qu'il y en a un qui est là. Maybe there's one. Comment savoir s'il y a un qui veut se cacher? We start look if there's one there who wants to hide. Comment donc qu'il se manifeste qu'il parte? Let us command that he manifests himself and go. On n'a pas le temps à perdre. We don't have time to waste. Esprit méchant. Wicked spirit. Va là où les autres sont partis. Go where the others have gone. Tu les as vus partir. You saw them going. Tu as entendu leur cri. You heard their cries. Peut-être que tu ne veux pas aller là-bas. Maybe you don't want to go there. Va partout où tu veux aller. Where, go everywhere you want to go. Ne touche à aucun individu. But do not touch any individual. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Until Jesus comes back. Va-t'en maintenant. Be gone. Déclare que tu es libre. I declare that you are free. Que ce lien soit brisé. Let these ties be broken. Que ce lien soit brisé. Let these ties be broken. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Je déclare que tu es libre. I proclaim that you are free. Et que tout ce que tu as avalé soit vomi. And that all that you have swollen be vomited. Que ton âme soit purifiée. Let your soul be purified. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Tout ce que tu as avalé. All that you have swollen. Tout ce qu'on a mis sans te montrer. All that they have put without showing you. Que tout cela sorte au nom de Jésus-Christ. Let all this get out in the name of Jesus. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Let it get out in the name of Jesus. Que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Let it get out in the name of Jesus. Que tout sorte au nom de Jésus-Christ. Let all get out in the name of Jesus. Va-t'en. Go.
tante, oncle, aunt, uncle, grand-père, grand-mère, grandfather, grandmother. Sors et va-t'en. Get out and depart. Va-t'en. Depart. Quelle que soit la raison. No matter the reason. Grand-père, grand-mère, grandfather, grandmother, oncle, tante, cousin, uncle, neveu, aunt, cousin, tout esprit humain, any human spirit, qui habite un corps, that dwells in a body, tu es jugé, you are judged, sors et va-t'en, get out and depart, sors et va-t'en, get out and depart. Que tu sois mort ou que tu sois encore vivant, no, whether you are dead or alive, mort ou vivant, mort ou vivant, dead or alive, dead va-t'en, or alive, depart, va-t'en, depart, retire-toi, get away, va-t'en, depart, va-t'en, 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 depart, depart, sors et va-t'en, get out and depart, mort ou vivant, mort ou vivant, dead or alive, dead or alive, esprit, esprit, spirit, spirit, incarné, incarnated, je brise le lien d'incarnation, I break the ring of je incarnation, je brise le lien d'incarnation, I break the link of incarnation. Sors et va-t'en, get out and depart, va-t'en, 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 depart, depart, depart. Je t'arrache cette âme de ta I snatch this soul. Je ruine tes projets. I ruin your project. Je te renverse de ton trône. I overthrow you from your throne. Je détruis toute chose. I destroy everything. Tout objet d'incarnation. Any object of incarnation. Que tu possèdes. That you possess. Je brise. I break. Je brise. I break. Je taille en pièces. I je libère les captifs. I release captives. Je taille en pièces. I cut je libère les captifs. I release je taille en pièces. I cut je libère les captifs. I release je taille en pièces. I cut je libère les captifs. I cut je libère les captifs. Les captifs. Release the captives. Release the captives. Tous les esprits venant des eaux. All the spirits coming from the waters. Tous les esprits ayant des relations avec la reine. All the spirits having a relation with the queen. Tout esprit de séduction. Any spirit of seduction. Avec ayant des relations avec le Mami Wata. Having relation with the spirit of water. Wata! Depart. Wata! Depart. Tout esprit. Any spirit. Il y a des relations avec le Mami Wata. Which have the relation with Vatan. Depart. Vatan. Go. Tout esprit des eaux. Any spirit of waters. De séduction. Of seduction. Il y a des relations avec Mami Wata, la reine des mers. Which has eaux, relation with the tu es jugé. You are judged. Sors et va-t'en. Get out and go. Sors et va-t'en. Get out and depart. Que les captifs soient libérés. Your captives are free. Tous les esprits des eaux, les esprits des eaux. All the spirit of water. Spirit des eaux. Spirit of water. Vous êtes jugé. You are judged. Vous êtes jugé. You are judged. Jugé. Judged. Anéanti. Crushed. Jugé. Brisé. Judged. Partez. Go. Tout démon. Any demon. Qui possède une personne. That possesses a person. Parce que les parents. Because the parents. Sont allés demander l'enfant au génie. Went to ask the child to the genius. To the ghost. Si tu sais. If you know. Démon. Demon. Que tu es là. That you are here. À cause de cet engagement des parents. Because of this commitment of the parents. Tu es jugé. You are judged. Je déclare que tes œuvres sont mauvaises. I proclaim that your works are evil. J'arrache cette victime d'entre tes mains. I snatch that person from je l'arrache d'entre tes mains. I snatch that person from your hand. Elle ne t'appartient pas. She does not belong to you. Et tu ne peux même pas donner les enfants. And you cannot even give children. Give c'est children. Un mensonge. C'est un mensonge. It's a lie. 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 Va-t'en. Go.
Va-t'en. Go. Va-t'en. Depart. Je proclame. I proclaim. Que Satan ne peut pas donner les enfants. Satan cannot give children. C'est un mensonge. It's a lie. C'est un mensonge. A lie. C'est un mensonge. A lie. Sors et va-t'en. Get out and depart. Sors et va-t'en. Get out and depart. Ces enfants ne t'appartiennent pas. These children do not belong c'est to Dieu you. Qui les a donnés. It's God who gave them. C'est Dieu qui a donné. It's God who c'est gave. Dieu qui donne. It's God who c'est gave. Dieu qui donne. It's God who c'est gave. Dieu qui donne. It's God who gave. Va-t'en. God who c'est Dieu qui donne. It's God who gives. Satan ment. Satan lies. Satan ment. Satan lies. Satan ment. Satan lies. Satan ment. Satan lies. Satan ne peut pas donner les enfants. He cannot give children. Satan ne peut pas donner les enfants. Satan cannot give children. C'est Dieu qui donne. It's God who gives. 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 Les enfants viennent de Dieu. Les enfants viennent de Dieu. Children are from God. Les enfants viennent de Dieu. Children are from God. Les enfants sont un don de Dieu. Children are a gift of God. Tous les mensonges. You are lies. Tous ces mensonges. All these lies. Sont brisés. Are broken. Que tous les démons. Let all the demons. Qui vivaient de ces mensonges. Who live of that mensonge. S'en aille, s'en aille, s'en aille. Depart. S'en aille, s'en aille. Depart. S'en aille, s'en aille. Depart. S'en aille, s'en aille, s'en aille. Depart. S'en aille, s'en aille. Ora baka, ora baka, ora baka, ora baka, ora baka. Lève ta main. Raise your hand. Dis je proclame. I proclaim. Que je ne viens pas des eaux. That I'm not from waters. Je ne viens pas de la forêt. I'm not from forest. Je suis un enfant de Dieu. I am a child of God. Donné à mon père et à ma mère. Given to my mother and my father. Par la volonté de Dieu. By the will of God. Nous jugeons la tricherie. We judge trickery. Nous jugeons les mensonges du diable. We judge the lies of the devil. Si tu as déjà rêvé, if you have already dreamt que tu es dans une forêt, that you are in a forest, lève ta main, raise your hand, appelle le jugement de Dieu contre cette forêt, call the judgment of God against that forest, et déclare, and proclaim que tu sors, that you get out, que personne ne te touche, let no one touch you, tu sors propre, you get out sans maladie. Sans maladie. Without sickness. Dis je lève cette main. Say I raise this hand. Dis je sors de cette forêt. Say I get out of this forest. Même si je ne sais pas. Even if I don't know. Je sors. I get out. Dis je sors. Say, get out. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Je sors sans maladie. I get out without sickness. Je sors sans infirmité. I get out without infirmity. Je sors pour ne plus retourner. I get out not to go back anymore. Et maintenant, que tous les démons, now all the demons, qui voulaient s'attacher à ton âme, who like to be bound to your soul, disparaissent, disappear, disparaissent, disappear, qui s'en aillent, disappear. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Je saccage cette forêt. I destroy that forest. Je prends le feu de Dieu contre cette forêt. I put the fire of God in that forest. J'ordonne la libération de tous les autres captifs. I command the release of all the other captives. Dis captifs. Say captives. Sortez au nom de Jésus. Get out in the name of Jesus. Garde le calme. Lève ta main droite. Raise your right hand. Certains sont enfermés sous les eaux. Some are enclosed under the waters. Il y a une jeune fille, elle était sous l'eau, assise sur le sable.
There's a young lady, she was under the water, sitting on the sand. Pendant qu'on priait, Jésus est parti l'enlever. While we were praying, Jesus went to remove her. Elle n'est pas là ce soir. She's not here this evening. Dis que les eaux sont troublées. Say, may the waters be troubled. Je sors de là. Now get out of there. Je sors de cette eau. Get out of that water. Sans maladie, sans effet. Without maladie, disease, sans without any infirmity. Without sickness, without any infirmity, without water. Dis je sors. Say, I get out. Je sors. I get out. Sans maladie. Without sickness. Sans infirmité. Without infirmity. Je sors. I get out. Sans maladie. Without sans infirmité. Without infirmity. Dis nous proclamons say we proclaim la liberté, freedom, la libération, freedom, de tous les captifs, of all the captives, se retrouvant sous les eaux, down under the water, under nous the water. Brisons les barrières, break the barriers. Lève ta main. Raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toute maison, toute prison. Any prison, any house. Où se trouve enfermé l'âme de quelqu'un. Where the soul of someone is enclosed. Écoutez frère. Listen brethren. J'ai commencé à écrire le livre depuis le début de la croisade sur l'envoûtement. I started writing the book about bewitchment since the beginning of the crusade. J'ai fouillé dans le dictionnaire. I checked in the dictionary. On dit que l'envoûtement, it is said that bewitchment, c'est quand on cherche à influencer quelqu'un ou à le subjuguer, c'est-à-dire à contrôler la personne en utilisant les figurines qui représentent cette personne-là. It is the fact of seeking to influence that person, to subject that person by using the different things that represent that person. Donc on peut prendre ta photo. So your pictures can be taken. On prend le couteau, on pique pour montrer qu'on te tue, on parle. They take the knife and they sting you. Ouais, le diable est exposé. You see? The devil is exposed. On prend quelque chose qui te représente. They take something that represents you. On parle dessus. They speak upon it. On te tue, on te bloque. That is, they block you, on te salit. They make you dirty. Et puis ils s'en vont enfermer ça dans une chambre démoniaque. And go and close it in a demonic room. Quand c'est comme ça, when it's like this, tu ne peux rien devenir. You can become nothing. Donc lève ta main. Lève ta main. Raise your hand. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Toute maison. Any house. Tout objet. Any object. Dans lequel. In which. Une âme a été enfermée. A soul has been enclosed. Nous jugeons. We judge. Nous brisons. We break. Et nous détruisons. And we destroy. Nous cassons cette prison. We break that nous prison. Cassons la prison. We break the prison. Nous cassons la prison. We break that prison. Nous brisons les portes. We break the gates. Et nous libérons la victime. And we release the victims. Des captifs sortez. The captive, get out. Jésus-Christ a vaincu. Jesus has overcome. Jésus-Christ a vaincu. Jesus has overcome. Le combat continue demain. We will continue the struggle tomorrow. Méditez sur la foi. Tu as la foi. Dis amen. Meditate on faith. You have faith. Say amen. Ne la cherche pas dans tes poches. Do not seek faith. En tremblant. Faith in your pockets by shaking. Dieu pardonne mon doute. Say, pardonne mon doute. Lord, forgive my doubt. Jésus crée la foi. Jesus creates faith. Et il amène la foi à la perfection. And he brings it to perfection. Est-ce que Jésus peut rater? Can Jesus fail? Est-ce que Jésus peut commencer un travail et il échoue? Can Jesus start a work and dis je proclame, say I proclaim que Jésus a créé la foi en moi. That Jesus created faith in me. Et Jésus amène cette foi à la perfection. And Jesus brings that faith to perfection. Dis je proclame, say I proclaim que j'irai de progrès en progrès. That I will go from progress to progress. De progrès en progrès. From progress to progress. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Dis cela ne dépend pas de moi. Say this does not depend on ça me. Ça dépend de la volonté de Dieu. It depends on the will of God. Car il est écrit, for it is written,
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Your God commands that you be. Dis la volonté de mon Père. Say the God. Et que je sois puissant. The project of the will of my God is for me to be mighty. Acclamation à Jésus-Christ. Ovation to Jesus. Avec des cris de joie des saints. Shout of joy of the soul. Des chants d'allégresse. Songs of allégresse. Songs of joy. La fête des agneaux. The feast of les agneaux acclament Jésus de Nazareth. The lambs. Les agneaux acclamez Jésus, acclamez. Oh lambs, clap for Jesus, clap. Jésus aime les petits enfants. Jesus loves little children. Il les délivre. He delivers them. Jésus Christ. Jesus. Jésus Christ.